Bonjour à tous. On va commencer le briefing de cette étape. C'est un parcours usant aujourd'hui, avec une partie finale qui devrait convenir au puncher. Et une occasion pour prendre la tête du classement général. Je compte sur vous pour maîtriser les écarts, car on a les moyens de s'imposer. Allez, on vise la victoire. Bonne course, les gars. Bonjour à tous et bienvenue. Pour cette traversée de la Bretagne d'ouest en est, on risque bien d'assister à une explication entre favoris. Avec la double ascension de Mur de Bretagne dans la partie finale, les possibilités de grappiller quelques secondes sont bien réelles. Tentative d'échapper. Cette étape doit faire partie de ses objectifs, car ses équipiers gèrent déjà l'écart. Le maillot jaune fait rouler son équipe très tôt pour gérer l'écart. Les échappés creusent l'écart. Ils ne sont pas dangereux au général, on peut laisser filer. L'écart reste stable entre le peloton et les échappés. Allez les gars, courage! Ce sont les 15 premiers qui marqueront des points lors du sprint intermédiaire. Le premier empochera 20 points. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Hey.
Attention, t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. Nouveau leader pour le maillot vert. L'échappée résiste bien au retour du peloton. L'écart semble stabilisé. C'est bien. Bravo. Vas-y, Robin. Vas-y, Richie. Bravo, les gars, c'est bien. Bravo, les gars. Bravo, les gars. C'est le maillot jaune. Allez, les gars. Allez, les gars. Allez, les gars. Allez, bravo, les gars. Allez, les gars. Allez, les gars. Courage. Allez, le maillot. Allez, les gars. L'échappée a peu de chance d'aller au bout, les gars. Faites attention au contre. Les gars, on arrive dans le final de l'étape. Le mur de Bretagne est exigeant. Essayez d'entamer la côte dans les premières positions.
continuez comme ça. Prochain virage à gauche et nous y sommes, le fameux mur de Bretagne avec ses 2 km à presque 7% de pente moyenne. Dernier pointage avec l'échappée, 1 minute. Ça commence à monter pour la tête de course et c'est le premier kilomètre qui est le plus pentu. On frôle ici les 10% de pente moyenne. Classement grimpeur dans 2 km pour l'échappée. Car devant, il y a un mec dangereux pour lui au général. Attention, il attaque. Le premier passage de mur de Bretagne est maintenant terminé. Mais ce n'est pas la fin des difficultés puisque les coureurs enchaînent immédiatement avec la côte de Saint-Malo. Il y aura un point à prendre pour le maillot à poids en haut du prochain grimpeur. Les coureurs vont maintenant revenir vers Mur de Bretagne pour effectuer une dernière ascension. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. De l'arrivée pour la tête. Ça va être compliqué pour eux, surtout avec la bosse d'arrivée. Continuez comme ça. Peloton groupé, seuls les coureurs encore frais pourront faire la différence dans le final. Continuez comme ça! Plus que 5 km. Restez bien placés pour éviter de perdre du temps à cause d'une cassure.
C'est un peloton groupé qui devrait aborder le pied de mur de Bretagne dans quelques instants. Tentative d'échapper du maillot jaune. Mais qu'est-ce qu'il tente de faire ? C'est la dernière ascension pour les hommes de tête. Et avec une telle avance, ils peuvent déjà songer à la victoire. Attention, il attaque. On signale une contre-attaque à l'avant du peloton. Attaque en tête du peloton. C'est pas le moment de se regarder. Attention, t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. Dernier kilomètre, ça semble mission impossible. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général.